Tic-tac orange citron vert, tu me dégoûtes, c'est dégueulasse. C'est vraiment horrible. Alors que cerise, fruit de la passion, c'est... Tu vois, là, la hache a très bien joué et moi j'ai très mal joué par exemple. En plus, je crois que j'ai raté un crypt d'XP. Mais genre, la hache, ce qu'elle a fait de s'avancer et de mettre de la pression, c'est exactement ce que je devrais faire si j'étais bon. Peut-être pas aller les flèches parce qu'il faut pas déconner. Dégage. J'aurais pu flash in, je pense. Hache met une auto-attaque. Moi je flay. GG à tous. Bot lane, pas du tout broken. Alistar, champion utile. J'ai pris deux coups, sérieux? Oh, vas-y, montre-lui. Oh, mais je t'aime, H. Pardon. C'est bien, je trèche. Ah, bah alors là, on peut dominer les lanes maintenant. Maintenant, on couvre des champions qui jouent des vraies lanes. Ah, bah, ça discute plus trop en face. Et la plate? Oh, putain, on s'est pas compris. Gameplay, non, parce que... Enfin, en Rome aussi. Comment qu'elle est... Non. Traitons le dieu. C'est qui? Dis-toi, c'est... Attends, mais c'est Hans! Ah, mais c'est pour ça qu'il joue bien! Ah, mon frérot! Bien joué! Eh, je veux pas dire, mais je savais pas que c'était lui. Première seconde de la lane, je dis que je suis une merde et je dis qu'il est fort. Si je suis pas le meilleur scout. Bon, du coup, on va jouer la lane, on va pas jouer le roaming. Si j'ai confirmation que c'est Hans, je sais qu'il va revenir à la game. Tout ce qu'on va faire, c'est cette petite chaîne. C'est tout. Faire gaffe au niveau 3 d'Alistar, c'est tout. Et encore, je pense pas qu'ils avaient déjà plus ou quoi. Pourquoi ils s'avancent autant? Ah, je suis en ça. Ah, il y va, ah oui, d'accord. J'en ai battu les couilles. J'ai flash in auto parce que je pense qu'il aurait pas eu les dégâts tout seul et que je pouvais mettre la pression d'un play. Il a pas go, dommage. Il a eu raison de pas go. La pression que je lui mets, ça me met bien. Il est bon. Après, je dis ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça, genre c'est évident qu'il est bon. J'aurais dû roam plus tôt. Ça aurait dû être l'instant si c'est bon. J'ai le slow avant. Bon, je suis mort. Oh, même pas. On a Galio. Restance. Ça se carnore de go en premier. Ça se carnore de go en premier. Insta hook. Il va me flasher sûrement. Non, c'est pas flash. La fight, hein. Ah, il est 6. C'est chaud. Non, l'insta hook sur Kha'Zix, c'était genre poker as fuck.
Je sais pas si laquelle il reste. Je vais faire des. Je vais faire des célérités. Gale le boss, ouais, il a bien choqué Gale. Il m'a bien pilé. Bon bah good job à tous. On va voir comment on snowball ça maintenant. Il a pas grid. Putain, attends, il aurait grid, il aurait mis des coups de plus. No joke. Oh mon Flay! Flay était stacké. Ouais, bah il faudra ce card. Je vais retourner avec Anson. Dommage que ça n'aurait pas bougé son cul. Dommage. Bon Flay, merci de copier Biofrost. Je peux pas. Après, le jeu, quand je joue pas trash pendant longtemps, je sais que mes Flay partent toujours en couille. Voilà ce truc-là. Il a une claim, c'est difficile de l'agresser. En vrai, c'est con de ma part d'avoir essayé de jouer autour du mid. Je pense que le match-up 7 Galio est absolument injouable. J'aurais juste dû rester bot lane en permanence. Je sais pas si les trades de Hans sont worse, dans le sens où ils ont beaucoup de sustain et pas nous. Ce serait bien cette tente sur 7. Il est mort. Ce qui se passe. C'est le kill à Hans. Hans c'est vraiment trop fort aujourd'hui. La manière dont tu l'as traité sur Alistar déjà dès le début est insane. Arrêtez pour la ward. Sur 30 gold, il a besoin. Imaginez quand tu vas jouer avec Trimby. Changez pas de kill. Quoi, je suis mort du raid sans deck. Oh dommage. Il la tuera pas en plus coup vu que j'ai pas auto. Oh fuck my life. Oh, je pensais que je pourrais pas du raid. Je pensais que je suis survivé genre à 10. Ok. Il est mort aussi du coup. Il meurt pas. On a une arrow. On s'est trop fait, faut jouer avec lui. Et anyway. Je crois que je vais mettre des lanternes, il a pas de flash.
sais jamais si t'es ou pas. Ils sont pas là, c'était bot. Non. Bon, tu pars, tu me le sens. Let's go, je look. On gagne. Là. Tu vois, ce fight là, j'ai été vraiment poggers. Genre, à part le hook du début, j'ai été vraiment genre insane dans le fight. Si j'avais mis le hook du début, c'était faker quoi. Mais le hook que j'ai mis au milieu de tout le monde sur 7, ça a sauvé honte, ça l'a mis trop bien. Et la lanterne, il l'a bien vu. Ouais, je me la pète et alors. Après, je dis qu'on joue mal aussi. Ça. Well play, petit cœur. Trop gentil. Petit boost d'ego. Ah bon, quand t'as 11 qui te dit Pog Champ, frérot, t'as tout gagné. Hein. Surtout que les plus gentils, plus forts que 7. J'ai mon ulti, je suis chaud pour contester pas mal de choses. Oh non. Vraiment, il se fait one shot. Ah, c'est cringe ça un peu par contre. Je l'ai fight aussi mid, non? C'est genre que j'ai peur, mais il a pas pris le bluff. Il est pas passé par le bon chemin aussi. Je les ai bien bait, je pense. Attention avec Alex. Chien de la casse, quoi. Nice, la lanterne! Je sais pas, je vais prendre un Q de Senna, sinon je vais me calmer fast. Kha'Zix, il a tellement la haine. Bien beau bait. Je rate des trucs, je fais des trucs bien, c'est du haut et du bas. Je suis tout le temps comme ça avec Thresh quand je suis pas dans la zone. Mais la game est cool à jouer. Je vais faire un Zeke pour le coup, je suis sûr de ça avec Thresh. Parce que sur chaque flèche ça va proc. J'ai pas mal de réussite en vrai. Il a son flash maintenant, oh, ça va être 100 fois plus simple de fight. Il perd vraiment pas de temps. Ce gameplay est beau. Je pensais bien qu'il avait une mort cachée. Non, je vois pas tuer. Non, c'est mort.
c'est pas mort. Ah, close. Non, non. Vous êtes tous cessés, il a trop de problèmes. Ah, pas le range. Ah, je me fais OS en fait. Moi, je l'enterre. Avec là. Je suis pas la mana de fight. On a vu, oui. J'ai pas la main de fight. J'ai vu ses knifing. Une crête de ouf, je pense. Voilà. Je n'ai pas de mana, frérot. Ça, c'est ça. C'est pas win encore. J'ai beaucoup de CDR, c'est pas mal. Ça, je vais avoir les EK, ça va être lourd. A tout le monde joue à l'histoire avec ce stuff hein. Faudrait que je me mette aussi. Il y a un play au bot, il prend pas de ma pink. Au top pardon. Vu qu'il y avait un play au top, il y avait peu de chance qu'il y ait beaucoup de monde ici. Me permettre des choses. Ah. C'était obvious cette ward, je suis un peu con. Oh. Yeah, je pense qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. J'ai une lanterne après. Hein. Ok, on se give up. On a Kale, on a Ashe, on est bien. Après, ils sont tous mid-side, non? No joke, hein. Ils jouent top-side, hein. La pink, je peux pas la bouger. On se prend tous les camps du monde. Là, voilà. Bah, bro, c'est la priomie qu'il faut prendre. Hein. Ah, ils ont FF? Non, la game était trop bien jouée! Non, pour une fois j'avais un bon ADC, j'avais trashé tout! Oh non, quel dommage! La game était vraiment kiffante! Dommage. Bon, c'était une belle game avec Ant. T'as eu sur plus de kills que moi? Putain, il est sur la même kill que moi, en vrai, c'est impressionnant. On a joué à 3 avec Skarner et tout. En vrai, c'était bien, genre tout le monde jouait correctement, il y avait pas trop de cash, même en face, ils jouaient pas mal, les mecs.
Bon, pauvre Alistar et pauvre Seth, ils arrivaient pas à jouer Teamfight parce qu'ils se faisaient beaucoup contrôler, mais... Bon, c'est pas bien grave. C'était une très bonne game. J'ai kiffé de ouf. C'est ce genre de game-là qui me font une maîtresse, quoi.